Bonjour à tous, nous sommes dans ce jeudi de l'Ascension. C'est un terme bien particulier, je pense que pour beaucoup d'entre vous, Ascension, au moins ça veut dire une fête chômée. En France, c'est un long week-end, un pont, et ça vous réjouit. Nous aussi nous sommes réjouis parce que le mot Ascension veut dire que Jésus, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous aussi, est entré au ciel avec son humanité et sa divinité. Et en entrant au ciel, eh bien, il ouvre la voie à tous ses disciples, à tous les membres du corps du Christ. Donc c'est une fête d'espérance, parce que si la tête, comme on dit, qui est le Christ, est au ciel, nous aussi, nous y sommes déjà comme par avance. Et puis il y a avec Jésus, la Vierge Marie, Notre-Dame, les saints, les bienheureux, toute la grande famille du ciel. Cette fête de l'Ascension aussi est une joie parce que le Seigneur nous envoie témoigner de cette vie nouvelle, cette vie éternelle, cette victoire sur la mort et le péché que clôt précisément le mystère de l'Ascension. Et puis, le mystère de l'Ascension, puisque le Seigneur nous envoie, c'est aussi un mystère, une joie de pouvoir s'entraider les uns les autres, je dirais, à être des ascenseurs les uns pour les autres, pour que cet évangile, cette joie de l'évangile puisse nous élever les uns les autres. Alors à vous tous, vraiment une très belle fête de l'Ascension. Pensez à ce terme de ascenseur et aujourd'hui, comme tous les jours de notre vie, essayons d'élever ceux que nous rencontrons dans cette espérance invincible. Dieu est avec nous, Dieu avec nous jusqu'à la fin des temps. Dieu aussi qui nous aime comme un père peut aimer ses enfants et qui nous l'a montré en son Fils Jésus-Christ, mort, ressuscité, monté aux cieux et qui est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Amen.